Cape Horn is a special place. Any sailor will tell you Cape Horn is the pinnacle of southern capes to actually round. It's one of the toughest capes in the world. It was just exciting living outside this massive rock and being in this mythic place. Crazy trip. First guys on a flying catamaran around Cape Horn. Le Cap Horn est un détail sur une carte et les hommes en ont fait une légende. Des milliers de bateaux se sont naufragés dans ces eaux aux alentours et la légende s'est installée petit à petit. So we passed quite next to this island, huh? The weather changes so fast around Cape Horn. On dit souvent il y a les quatre saisons chaque jour parce qu'avec le vent qu'il y a, surtout en été, le climat change à chaque instant. Sure, the prevailing winds are northwest to southwest, and it can be anything from 5 knots to 120 knots, and it's tough. It is tough, it's ferocious. Ça a l'air de se préciser demain, mais la fenêtre est courte, donc on va devoir faire le Cap Horn et remonter dans le nord en une seule journée. Parce qu'après-demain, c'est très très violent, il va falloir se protéger. This is the big day. Yes. How do you feel? Good. A little bit excited, but very good. Du rêve d'un marin classique qui a peut-être déjà vu beaucoup de choses, d'emmener quelqu'un qui vient d'un milieu extérieur et qui rêve encore plus de découvrir ce genre de région, ce genre d'aventure, ce genre de bateau, c'est une façon de partager encore plus cette passion. To be on board with Frank was really a great thing. It was really cool. I could learn a lot of him about sailing and being focused even after 8 hours of sailing. It was a great dream that I could sail with some very professional guy like him. Long day, exhausted, but it was great. It was great rounding the horn and even the way back with all these changing winds, it's crazy here. Big thing. I think it was once in a lifetime thing. We'll be right back.